Good morning, Ali. Den netus aujourd'hui le nishmat Lili Badrar, Lili Rachel bat Asher, Chana bat Sultana, Amram Yona ben Chana, Piggy bat Esther, Zabat Mazon Jibot, Shish Portish, Simon bat Leoni, Michael Novikov, aussi leur fois Ruth bat Claudine Traina et Simcha bat Mazoni Betor Shachon Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Jouot par Exaïn Mishnah Bet, Hanigzal Kaitzad, Hayoum et Idin Oto Shinichnaz le Beito le Mashkeno, Shelo Birchut, Hu Omer Kelai Natalta, והוא אומר לא נטלתי הרי זה נשבע ונוטל רבי יהודה אומר עד שתהיה שם מקצת תודעה כיצד אמר לו שני כלים נטלת והוא אומר לא נטלתי אלא אחד suite de la Mishnah Aleph le même principe en théorie dans la Torah lorsque l'on jure partout où la Torah a demandé d'éclaircir une situation à l'aide d'une jvoua un serment alors la Torah impose à celui qui est accusé de se dispenser de payer en jurant. Mais il y a quelques cinq exceptions que la Mishnah a évoquées, où la Torah, plutôt, où Chachamim sont venus et ont pris la Shvoua et l'ont donné, l'ont octroyé au plaignant, à celui qui se plaint, pour, et qui, en lui donnant en fait le droit de faire quelque chose de très spécial, c'est de jurer et se servir dans le porte-monnaie de l'autre. Je jure que tu me dois 100 shekels et je me sers 100 shekels. On a vu dans la Mishnah précédente l'histoire du Sakhir, de l'employé. Maintenant, on découvre dans notre Mishnah le Nigzal, celui qui s'est fait voler. D'accord ? Hanigzal Keitzad, comment est le cas de celui qui s'est fait voler ? Ayom et Idin Oto, il y avait des témoins qui témoignaient contre lui. Shenichnaz le Beto le Mashkeno Shelo Birchut, qu'il est entré dans la maison du voisin pour prendre un gage alors qu'il n'en avait pas le droit. On va expliquer ensuite quel était le cas exact. Mais en tout cas, Reuven a pénétré dans le domaine de Shimon, dans la maison de Shimon, la nuit par la petite fenêtre, et il a pris des choses. Même si c'est un gage, comme ce qu'on va expliquer ensuite, d'accord ? Mais en tout cas, il n'avait pas le droit de le faire. Ho Omer, Kelai Natalta. Maintenant, on a Shimon, donc, puisque c'est Reuven qui s'est infiltré, on a Shimon qui lui dit, Kelai Natalta, tu m'as pris mes ustensiles, tu m'as volé mon verre de kidouche avec mon petit ordinateur. Ve Omer lo Natalti. Et l'autre lui retourne qui lui dit, non, j'ai rien pris. Et comme ce qu'on a dit, il y avait des témoins qui l'ont vu entrer, les poches vides, et ressortir avec les poches pleines. Maintenant, qu'est-ce qu'il avait dans les poches pleines ? Peut-être qu'il avait ramassé des cailloux. Ouais, c'est aussi possible. Mais peut-être qu'il avait effectivement pris cet ordinateur et ce verre de kidouche. Donc, dans cette situation, Chachamim ont dit, toi, le Reuven, soupçonné de vol, c'est trop flagrant cette fois-ci. Il y a des témoins qui t'ont vu t'infiltrer et qui t'ont vu prendre quelque chose. On ne va pas te laisser le droit de jurer. On va expliquer peut-être ensuite pourquoi, on le dit tout de suite, même il y a un rabbin qui explique que c'est pas un psoul minatora, mais c'est un psoul des rabbanan haramim, afin d'éviter que les gens se conduisent de manière patibulaire, comme ça. Ouais, pas net quoi. Alors, haramim ont décrété qu'on te laissera plus jurer si on va t'accuser, c'est-à-dire on a de quoi, on te soupçonne d'avoir volé, puisque tu as pénétré de toute façon dans le domaine de l'autre, alors on va laisser le plaignant, donc la personne, le propriétaire de la maison, jurer contre toi et dire qu'il t'a volé tel et tel objet. Et il sera cru, précision importante, dans la mesure où il réclame quelque chose qu'il est censé avoir dans sa maison. Ouais, si je réclame qu'on avait une parure qui coûtait 50 000 dollars, alors que chez nous, au Hachem, on achète des bijoux en argent uniquement, parce que même payer de l'or, ça, c'est un peu trop cher. Alors, de ce fait, il sera plus cru d'affirmer qu'il avait des bijoux pareils dans sa maison. Ok ? Par contre, si c'est un ordinateur, alors il pourra dire que oui, un verre de kidouche, ouais, il pourra dire un verre de kidouche en argent, c'est quelque chose qui est encore dans ses normes. D'accord ? Donc, il pourra jurer à Rezé Nishba et d'hôtel, on laissera le plaignant jurer et prendre ce qu'il affirme avoir, ça te fait voler par l'autre personne. Rabbi Yehuda Omer, selon Rabbi Yehuda, même principe que dans la Mishnah précédente, jusqu'à qu'il y ait là-bas une miktsat hoda'a, une reconnaissance partielle. C'est-à-dire, même principe dans la Mishnah précédente. Chachamim, certes, ont fait quelque chose d'original dans ces cas-là. C'est que Chachamim ont décrété que ce sera au plaignant de jurer et de se servir de l'argent de l'autre. Mais ils n'ont pas innové une jvoua. C'est plutôt la jvoua qui était là, minatora. Lorsqu'il y a un modé bémiktsat, une reconnaissance partielle, alors Rabbi m'ont dit, au lieu que ce soit l'accusé qui jure, ça va être le plaignant qui va jurer. Mais ils ne sont pas venus innover une jvoua. De ce fait, il faut nécessairement qu'il y ait une reconnaissance partielle de la dette. Keitzad, comment est le cas ?
Amarlo, Shnei Kelim Natalta, il lui réclame deux objets, tu m'as pris, que donc l'ordinateur et le verre de Kiddush en argent. Amarlo Natalti Alechad, et l'autre traiteur qui dit non, c'est vrai, je reconnais, je me suis infiltré, je me suis servi, mais j'ai pas pris les deux choses que tu dis, je n'ai pris que l'ordinateur, le verre de Kiddush, je ne l'ai pas vu. En tout cas, puisque maintenant on a une Tvia, quelqu'un qui réclame deux objets et l'autre qui réclame et qui reconnaît un des deux qui le lui doit, alors il y a en cela une chouva d'oraita. Rabbi sont venus, on dit alors dans ce cas-là, ce sera à toi, le plaignant, de jurer au lieu de l'accuser. Mais si toutefois lui nie et tout, alors tu ne devrais pas jurer. D'accord ? On va juste mettre un petit zoom sur la première partie de la Mishnah. On avait expliqué qu'il s'est infiltré chez le voisin pour prendre quelque chose qui ne lui revenait pas. On aurait pu prendre un cas classique, simple, de quelqu'un qui est bémet, qui s'infiltrait pour voler. Et on l'a vu ressortir en ayant volé. Mais la Mishnah, elle est venue, en plus, nous apprendre quelque chose d'important. Même si c'est quelqu'un qui avait une dette. Regardez, les mots, c'était chez Nirnas, les bétaux, les mashkeno, chez le birchut. Il entrait dans la maison de son prochain pour lui prendre un mashkon, un gage, une garantie, une caution, chez le birchut, alors qu'il n'en avait pas le droit. Il y a les dalachot bien clairs qu'on avait évoqués dans Baba Metzia, que lorsque Reuven me doit de l'argent, j'ai certes le droit de lui prendre un mashkon, j'ai la possibilité de réclamer maintenant qu'il me donne quand même au moins un gage par lequel je vais avoir une assurance qui ne va pas disparaître de la circulation. Mais même pour aller le prendre, il y a des lechot bien nettes, comment est-ce que je peux le faire? Je n'ai certainement pas le droit d'aller me servir moi-même dans sa propre maison, et en cela un interdit explicite dans la Torah. De l'otavol beto la avot avoto. D'accord? Je suis dans parchat qui t'étais. Et donc il y a un interdit explicite. De ce fait, s'il l'a transgressé, eh ben, il est gazlan. Et donc, on va plus pouvoir le laisser jurer, lui des Rabbanan, comme on a expliqué, le Rambam, et on va donner le droit au plaignant de lui-même jurer. D'accord ? On a fini la Mishnah, on fait le barté droit. Les Mashkeno Shelo Birchut. Il a pénétré le domaine du voisin, Shelo Birchut, sans qu'il en avait le droit. Vekegon, par exemple, Sheraou Edim Shinichnas Lebet Ravero, qu'il y a eu des témoins qui l'ont vu entrer dans la maison de son prochain. Ven Beyedo Klum. Et initialement, quand il est entré, il n'avait rien dans les mains. Mais lorsqu'il est sorti, on a remarqué qu'il avait là-bas les poches bien pleines. Sous ses ailes, donc sous ses bras, bref, il avait des poches pleines. Areize Nishba Benotel, voilà donc un cas d'une personne qui devra jurer et se servir ensuite dans le porte-monnaie de l'autre. Sharei Advarim Mochichim, car les faits prouvent que Sha'edim Meidim Mishim Mishkeno Shalom Birchut, car des témoins voient qu'il est parti se servir, se prendre un gage alors qu'il n'en avait pas le droit. Ils ne savent pas quel était le gage, parce que finalement il avait ramassé des cailloux aussi. Tout était possible. Mais malgré tout, il y a quand même des réglaïm là-davar, il y a ici quelque chose de fondé. Attention, l'autre, donc le volé, pourra lui, il devra lui-même nécessairement réclamer quelque chose qui est midé de amid be, quelque chose qui est de son rang de posséder. Aval im ta'in le bekasa de kaspa, par contre, s'il lui réclame un verre en argent, le chia egamna, ou bien quelque chose de pareil, bemidi de l'amid be, dans quelque chose qui n'en a pas les moyens de se le payer, lav kol kemine et li shava vetol, il n'aura plus la possibilité de lui de faire jurer pour. De jurer lui-même pour se servir. Et là, Ishava Nitba Avipater, mais on va plutôt redemander au Nitba, à l'accusé, donc, de lui-même jurer et de se faire dispenser de payer. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Slacha Koltoum.